respecte-moi, t'as jamais été chef une fois. Ouais, je me dédouane de toute séparation. À chaque fois, tu me dis, mais t'es drôle, mais t'en fais un peu trop. T'es nul. Pourri. C'est mort. Moi, je suis idiot. Mais elle est tartée. Moi, je suis idiot. Oui, t'es amoureux, mais pour le moment, tu m'as pas montré encore tes preuves. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. C'est ça qu'on fait? Bah tu fais ce que tu veux ma vie. Eh hey, c'est trop drôle, c'est qu'elle fait que de charrier mes intros. À chaque fois elle fait oh, bah, oh mais c'est quoi cette vie intro, c'est quoi cette vie intro. Et là t'es là genre ça va bien. Yo tout le monde. Ouais c'est trop ça genre. Salut. Normalement je fais toujours la fin et pas le début. Bon quoi qu'il arrive, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Vous les reconnaissez? Simon, Adixia. Salut. Et ça, l'amour de ma vie qui ne m'a pas encore épousée, c'est pas grave. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo où nous allons tester notre couple. Comment on va le tester? C'est très simple. On va avoir des questions pour savoir qui connaît le mieux l'un ou l'autre. Des deux couples, on aura des épreuves physiques pour savoir qui va gagner la partie. Mais pourquoi physique? Vous avez fait le cross. Physique. Ah, c'est vrai. Ça, je connais les deux plus nuls. Tu mens pas. On est nuls tous les deux. Je suis pas le plus nul. Arrête. Il y a quand même du mental dedans. Ouais. Bah, ça promet. Bon. Ok. Arrête, tu montres à la télé tout le temps. Arrête. Crise 1. J'ai été chef du reste du monde pendant. Attends, arrête. Au bout d'un moment, respecte-moi. T'as jamais été chef une fois. Ouais, au bout d'un moment. D'accord. Okay. Attends, mais ça fait quoi juste d'être chef? Bah, c'est pour une semaine. C'est pas vraiment le vrai chef. Le vrai chef, ça reste Nico, bien sûr. Tant qu'il est là, je pourrais pas le trouver. Pour moi, c'était dur parce que j'ai dû éliminer un pote à moi qui voulait partir. C'était pas. Pourquoi déjà à moi? En plus, on n'était pas ensemble. Ouais. Et oui, à cette époque, elle était en couple avec Idan. Donc j'avais le choix entre elle, Nathan qui était mon bête de pote, et Isabeau. Moi je voulais sortir Isabeau, et Nathan voulait partir. Et moi je voulais pas qu'il parte. Donc, et j'aurais pu dire Adi part, mais j'ai dit Nathan part. C'est mignon. Voilà, c'était écrit. À la suite de ces épreuves, nous allons déterminer qui est le gagnant. Le perdant devra donner un gage à l'autre. Quel est mon gage déjà? C'est vrai? Simon, je t'en prie. C'est soit le coup du stop pour venir à Aix chez nous, ou alors, comme on emménage bientôt... Deux personnes qui puissent nous aider pour l'emménagement. Deux personnes qui nous aident. Soit qui nous aide. Qui monte les meubles parce que j'ai un dressing avec plein de vêtements. Et... Ouais, parce qu'il y a un gros dressing qu'il faut qu'on monte pour elle. Il sait pas monter les trucs. Ah non, et moi je monte pas. Voilà. Ils sont sérieux là, donc ça veut dire que nous, on va faire leur déménagement. Voilà. Ça sera ça, le gage en tout cas. Nous, ça nous convient. Tu veux lequel toi? Bah, le fait de remonter mes meubles, c'est cool. Ouais, c'est cool. Il y a beaucoup de déménagements, elle a beaucoup d'habits, hein. Mais beaucoup. Ah oui, non, attends, ma vie, mais ils nous bolossent là. Je suis pas très sereine parce que eux, ça fait un an qu'ils sont ensemble, hein, quand même. Est-ce que tu me connais par cœur? Oui, c'est bon. Moi, à leur place, j'aurais fait un vrai pari en mode ouais, vous venez vivre à Aix pendant un mois, genre vous prenez une maison pendant un mois. Moi j'aurais fait un truc comme ça, mais eux ils savent pas ce qu'on va leur préparer. Bon, quoi qu'il arrive, nous c'est quoi notre pari? Attends, viens, je réfléchis. Un truc sur les réseaux? Peut-être, je peux mettre un poster de nous chez vous. Oh, ça peut être très sympa. Ouais, mais bon, après on peut tricher. Certes, il est chez nous, mais bon, après je peux l'enlever quand on est. Tu peux très bien aussi en faire un post sur Instagram en disant que tu voyais bien cette photo dans ton salon parce que voilà, tu nous aimes beaucoup. Un cadre dans ton salon. Ah oui, au moins pendant genre 6 mois. Oh, 6 mois. Genre, je peux trop tricher. Je serais pas un bon joueur, je dirais oui, mais je suis un bon joueur. Le cadre, je fais le poste, je peux l'enlever après. Donc c'est bien, mais après, c'est pas stocké. Allez, vas-y. Okay. C'est bon. Allez. Mais après, donc c'est-à-dire que si tu mets ton cadre dans le salon, forcément, on fera une photo. Il faudra aussi le mettre sur les réseaux. À dire, je tenais à mettre ce cadre-là dans mon salon. Je sens que je vais me retrouver au-dessus de son salon, tu sais, genre au-dessus de son canapé. On n'a même pas pris le temps de prendre le temps de surtout de vous demander de vous abonner. Donc regardez, on va le faire ensemble. Regardez. 1, 2, 3, juste ici, c'est parfait. Cliquez, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au rendez-vous de toutes nos vidéos. Et à la fin, on vous communiquera aussi la page YouTube. Adixia qui revient oui. Sur YouTube. J'ai vraiment fait renaître de ses cendres. J'ai aussi été un peu ton aura, ma vie. Que la première épreuve commence. Les potos, pour la première épreuve, je n'ai besoin juste d'un stylo et d'une ardoise. Les garçons sont dans la chambre d'à côté. Nous allons répondre aux questions en attendant qu'ils reviennent pour répondre à le leur. Ça se dit ça? Ouais, bah, je pense. Bon, à le leur. Bon, vous avez compris, voilà. On commence. Non mais la 3, obligée. Qu'est-ce qu'il fout sur son téléphone à 3h du matin? Voilà, mais qui lui envoie un message à 3h du matin? C'est ça. 3h du matin, c'est soit ta mère, ton frère, ton voilà. Père... Que les numéros d'urgence. Voilà. Bon, ben moi j'ai mis la 3 parce que ben, il est amoureux, mais il est nul en cuisine, il cuisine pas. Donc voilà, la 3. Moi j'ai mis Dieu. Dieu. Moi j'ai mis 2, tu vois. Bah voilà. Drôle, mais un peu idiot. Mais... Parce que voilà. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, ça, attends. Moi, je suis pas intéressée sur la 3. Jamais de la vie. Moi, j'ai mis 3 ou 2?
Mais oui. Attends, on n'est pas raccord. Hein. Attends, mais deux. Ça veut dire que la 3. La 2, c'est jamais de la vie. Jamais de la vie, moi je veux rencontrer son ex. Après, je la connais déjà en fait. Donc de toute façon, j'ai quand même la croisée en tournage. Donc non. La 3. Allez, on se trompe. Bon, les amis, nous avons répondu aux questions. Maintenant, les garçons vont devoir chercher la bonne réponse pour qu'on puisse récupérer un point chacun. Alors là, j'ai la réponse. Je suis en mode soum soum. Arrêtez de me faire arrêtez. Pas de trichant. Non, pas de trichant. Pas de trichant. Non, c'est bon, j'ai arrêté. Bah, la 1. Eh ben, moi, c'est la 3 et je sais tout de suite que c'est la 3. Tu peux pas te dire non. Oui, mon ami. Mais je te saute dessus. Qu'est-ce que tu foutrais sur ton téléphone à 3h du matin, sérieux? Je me réveille, je vois que tu es sur ton téléphone, je fais quoi? Bien sûr que je te saute dessus en te demandant qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone. Bon, bah, monsieur le confiant, là. Nous, on a gagné un point, mais bon, ça. On a gagné. Je savais parce que ça sent le vécu. Mais je te saute dessus. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? T'es nul. Ah, ça va, bon, ok. Pourri. Écoute-moi bien, toi. Parce que je pense que je suis idiot, toi. Mais la vie de ma mère, si t'as répondu ça. À chaque fois, tu me dis, mais t'es drôle, mais t'en fais un peu trop. T'es un peu gogole parfois. Non. Tu me dis tout le temps, t'es gogole, t'es idiot, t'es gogole. Haha, t'es idiot, tu t'entends avec des enfants. Bah, je suis amoureux et nul en cuisine et je suis en même temps. Un seul choix. Bah, une seule raison de non embrouille. Ouais. Moi, j'ai mis la 2. Oui. Mais déjà, la vie de ma mère, si je t'ai fait un bisou, c'est mort. Moi, je suis idiot. Oui. Mais elle est tartée. Moi, je suis idiot, moi. Oui. Eh, dans les commentaires, vous le trouvez pas un peu idiot parfois? Voilà, idiot. T'as mis ça ou pas? Bah attends, deux secondes. Mais allez, dis-moi là, ça me stresse. Oui, j'ai mis ça. Ah merci, voilà. Hein, enfin. Mais je suis, attends, je suis pas que ça. T'es amoureux, mais pour le moment, tu m'as pas montré encore tes preuves de cuistot. Est-ce que tu as déjà fait pour quelque chose à manger? Non, mais c'est vrai que. Moi, jamais. J'avais pas eu l'occasion encore. Il mange même pas mes pancakes le matin. Ah, moi, tu m'as déjà fait des pancakes à manger? Jamais, jamais. Je t'ai fait du bar, je t'ai fait du des pancakes et il m'a même pas eu à manger. Une ex, n'importe quelle ex. Bon, mais réfléchis bien. Attends, attends, tais-toi là. Tu... Oui. Ça commence à s'embrouiller. T'aimes bien, toi. J'aime bien, vas-y, joue. Trois petits points. Simon réfléchit. Une goutte de sueur commence à s'installer sur son visage. Mon ex, donc c'est ma dernière copine. N'importe quel ex. Ah ouais, tu la connais, je disais pas donc. Mais réfléchis alors. Bah qu'elle me rentrait par son bus, donc c'est la 2. Non, c'est pas la 2, c'est la 3. Ouais. Parce que je vous ai pas, je vais la revoir en tournage. Une ex à toi peut débarquer en tournage, donc forcément je vais quand même la rencontrer. Et la 3, c'est que je suis quand même l'amour qui t'aura plus après. Voilà, que t'as jamais connu. Que t'auras plus après, c'est quoi? Enfin, non, pardon, je me suis mal exprimée. Que tu n'as jamais connu. Je me dédouane de toute séparation. Je ne suis pas la cause. Pour ça, je t'ai dit, réfléchis bien. Les ex à toi, j'ai sûrement croisé en tournage. Toi aussi. Alors moi, pour le coup, j'ai répondu 3, j'ai failli mettre la 2, je sais qu'en fait c'est 3. Tu me l'as déjà ressorti, à chaque fois que je veux te parler de mon ex, tu me dis ouais, c'est ça, t'as pas d'ex, t'as pas de premier amour, c'est moi ta vie, c'est moi la femme de ta vie, c'est ça ou pas? De ta vie, de tes rêves, de ton cul, de ton lit. Voilà. Bah, son cœur, ça fait que deux mois qu'on est ensemble, t'as pas non plus un milliard d'ex, et puis je vous ai pas, je la connais, c'est ton ex. Tu comprends ça? Je peux pas dire ah non, je peux plus la voir, machin, non, t'as pas eu d'ex, tu vois, ou des choses comme ça, vu que je vais encore la revoir. Moi, je veux vivre ma best life, babe. Peut-être, on va se recroiser un jour, dans tous les cas. Bon, pour moi, la plus logique, c'était la 3. Mais pour moi, c'est la 3 parce que je t'aime. T'es mon seul vrai amour. C'est mignon. T'es toujours sûr de toi, Simon? Faut vraiment que je mette à ta place, ok? Ok, bah écoute, surprends-moi. T'es pas sorti de l'auberge parce que là, je le sens pas du tout ma vie. Toutes les réponses, elles sont. Et toi? Moi, je suis bien. T'es serein? T'es confiant? Ah, confiant de fou. Mais il est trop confiant, la vie. Ah ouais? Mais ah ouais, je me sens à l'aise. On peut mettre les 3 ou pas? Parce que moi, ma meuf, elle fait les 3, genre. J'en ai 2 sûres, mais pas 3. Enfin, j'en ai 2, mais après. Mais de quoi, genre? Elle range chez toi, elle sent les draps? Elle sent pas les draps, mais soit c'est le bordel et elle peut ranger, mais est-ce qu'elle range directement, je sais pas. Est-ce qu'elle saute pas à mon cou quand même? Je pense que si, elle saute à mon cou. Elle saute à ton cou, mais elle fait la jalouse aussi, non? Pour l'instant, non. Moi, c'est les débuts, donc pour l'instant, elle a archi confiance. Les débuts, c'est toujours ça, genre elle saute à ton cou. C'est quand il y a la confiance que la meuf, elle commence à sentir les draps. On se dit, ouais, t'as fait quoi, machin? C'est compliqué en fait d'être en couple. Bah, mais ce que tu penses, arrête de rendre fou là! Si ta meuf est une psychopathe, dis-le, merde, elle au bout d'un moment. Voilà, bah dis-le! Oh, je pense que c'était cool quand même. Moi, c'était avec mon oncle, la première personne. Mon oncle, il y a 30 ans, du coup, c'est archi ma passion. On était au resto, aux boîtes après et tout. C'est ça, en fait. Ah, mais nous, c'est fluide. Nous, c'est un couple goals, mec. C'est un couple goals. Faut vous dire ce qu'il y a. C'est trop facile pour eux. Bon, allez, c'est bon. Je sais qu'on a la bonne réponse. Je veux mon poster, gros. Au-dessus du canapé, gros. Tu vas m'aider à monter les meubles, je le sens. Là. Je vois le dressing Ikea là, sur 3 mètres sur 4, là. Oh, ça va être magnifique. Oh, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi, s'il vous plaît, déjà, vous êtes pour qui? Quelle team? Qui va gagner surtout? La 1 et la 3, c'est la même. Hein. Ouais. Violent et passionné, c'est la 3. Violent aussi, moi parfois elle me jette des verres d'eau et tout. Moi je peux, pas sur elle bien sûr, mais je peux mettre un doigt dans le mur ou quoi. Mais on peut ken 10 minutes après.
Ah ouais, bah alors ok, bah attends. Non, bah... non, mais non. Ah non. Attends, j'avais pas vu mais ça. Mais non, comme ça, mais si. Ah bah pour moi, c'est ça. Ah bah alors c'est bon, bah alors, moi aussi, c'est bon, c'est ah mais merde. Ok, du coup, deuxième partie. Donc on a répondu avec mon poteau, mon gars sûr, t'as capté. Et maintenant, on va voir ce que les femmes vont répondre. Moi, je dis pas que je suis confiante. Ah, je vais essayer de sauver le couple. Eh, faut bien regarder s'il y a des tricheries dans le regard. Ah, moi, je... Dans le coup. Je ne regarde moi. Pas. Ah non, non, regarde pas comme ça parce que c'est. T'es sérieux? Tu sais comment je suis quand même. La première chose que je fais, c'est le bordel. Je vais envoyer une photo de moi avec une grappe de raisin à poil, genre. Mon cœur, t'es avec moi depuis deux mois. Le sujet de dispute, c'est quoi? C'est le bordel. Mais alors, mais tu rentres c'est pas, le mais bordel. Quand tu rentres... Je t'ai dit, tu n'habites pas avec moi tant que tu es bordélique comme ça. Amenez-moi les popcorn. J'adore ce couple. Tu m'as saoulé, c'est bon. Ah non, mais dis pas ça. Et toi, alors, et tes réponses ouais, pourries, Simon. Là, Simon, tu vas pas m'approcher à mort que t'as pas répondu non plus. Perfect. Alors, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît, un cadre là, de leur gueule. Mais ouais. Chez moi, là. Mais t'es bête. Vas-y, c'est bon. Allez, on passe à la suivante. On peut plus là. Là, on a demandé que j'arrive. Je te fais des bisous et des câlins. Je vais chercher un peu d'eau, j'arrive. Là. Sans tirer les draps. En même temps, ah, hey, on va parler français. Vas-y, ouais, vas-y. On va parler français. Qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois que t'es venu à la maison, t'es pas venu, t'as pas senti les draps? Oui, mais c'est normal parce que bon. T'as pas mis la deux, c'est vrai, j'avais oublié, ouais. Je t'ai mis un. T'as pas senti les draps? Mais d'abord, je te fais un bisou, je te dis bonjour, mon amour. Ça dépend ta localisation dans la maison. Arrête, ma vie, dis la vérité. Non, je te fais des câlins et des bisous. Et après, je vais vérifier les draps. En faisant le bisou, tu sens, tu fais. Oh, tu sens bon, avoue-le. Non, j'avouerai pas. Ouais c'est... Wow, eh, c'était quoi du coup bah, c'était qui? Ah oui, ça s'est super bravo. Bien passé. Voilà. Et toi, vice versa aussi, ça oui, s'est oui. bien passé. Y a problème là. Mais, j'en souviens plus. Mais comment ça, tu t'en souviens plus? Mais on dirait que j'ai 50 000 personnes dans ma famille. Tu sais très bien, mon meilleur pote, c'est mon daron, genre. Et donc, tu t'en souviens plus de l'avoir rencontré? Ah, que moi, j'ai rencontré. Bah non, mais j'ai rencontré ton frère avant. Trop ah, tard, c'est répondu. Hein. Elle a même pas eu une bonne réponse avec moi. Heureusement que je suis là hein, pour faire un sans faute. Elle vit de ma mère. La 3. J'ai pas le droit de regarder, j'ai pas le droit de... Mais je vais à la tête de ma mère. La tête de ma mère. Arrête de faire ça, Mélodie. Mais en quoi t'es passionné quand tu m'embrouilles, espèce de menteur? Mais c'est bien ça. Violent et passionné. C'est violent et passionné. J'ai dit, on peut s'embrouiller et après on calme 10 minutes après. Oui. Mais c'est ça. Ah ouais, tu me frappes pas, après tu viens pas me faire des bisous, tu viens pas me supplier. C'est moi qui viens, de mon côté, pas je vais pas raconter toute la vérité, ça va être démonétisé la vie de ma mère. Je peux pas parler de sexe, arrête, Bey. Vas-y, tu sais quoi, vas-y, ça m'a saoulé, vas-y. Elle a même pas eu une bonne réponse, la meuf. T'es chelou. Mes frères, je crois qu'ils ont gagné. Ma bosse, 3-3. Bon, les amis, à mon détriment, nous sommes tous à égalité. Nous avons tous des problèmes dans notre couple. Non, 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 t'as des problèmes toute seule. Ça va, là. Moi, j'ai fait un sans faute. Frère, tu même pas une... Vas-y. Résultat des courses. Monsieur Castaldi, vous n'avez malheureusement répondu qu'à une seule bonne réponse. Vous avez un point. On va devoir se coltiner Romain, la tête de Romain et non, de non, Mélanie dans le salon. Un match, c'est 90 minutes, c'est pas 30 minutes. Je vais vous envoyer une de mes best photos. Que vous allez poser juste au-dessus de votre canapé. C'est pas fini, m'arrête. Eh, hey, c'est pas fini. Hey, non. Et nous, bravo, mon amour. Tu as réussi à faire un score. Parfait. Je sais plus comment parler. Perfect. Voilà, voilà. Un perfect. Ouais. 3 sur 3. Ouais, mais moi, je suis idiot, moi. Oh là là, je pense que tu vas passer un sale quart d'heure. Tu trouves vraiment que je suis idiot? Non, mais sérieusement. Nous sommes tous officiellement à égalité. C'est pour cela que maintenant, c'est parti pour la troisième épreuve. La personne en face de moi va nous poser des questions. Romain, moi, ou Adixia et Simon vont devoir avoir la réponse la plus rapprochée pour avoir le point. Quel est le secret inavouable que vous connaissez sur l'autre? Bon, j'ai pas pu répondre à la question parce que tu as peur des esprits. Ouais. Mais genre que quand on parle de ça, tu fais des crises d'angoisse et tout. C'est un truc que tu peux. Voilà. C'est en rapport avec les fruits et les insectes. Bah non, c'est pas ça, alors je vais pas montrer ce que j'ai mis. Mais en fait, tu joues à quoi là? Mais j'étais sûre que t'allais mettre autre chose. Mais en fait, y a pas d'été. J'étais sûre, tu peux pas mettre la vérité. Je sais pas, tu penses à quoi? Tu crois t'es. Je vais te unfollow la vie de ma mère, je vais te unfollow ce soir. J'ai pété par accident à Cancun. J'étais sûre. C'est quoi? Celle-là, je peux la raconter. En fait, on était à Cancun, j'étais sur le lit, on venait de s'embrouiller, mais genre fort, tu vois. On se parlait plus, et genre, ça faisait bien 2-3 heures qu'on se parlait pas. Et là, elle se met à côté de moi, elle passe, elle m'a oublié, tu vois, tellement on se parlait plus, on s'est oublié. Et je crois qu'elle, même elle, elle s'est oubliée dans son énervement. Elle a lâché une caisse du turfu, gros. Un truc genre, un truc comme ça, j'étais à côté. Non. Et je la regarde, je fais, bah, elle peut pas me dire, bah non, c'est pas moi et tout, y a personne, on est que deux. Elle me dit, ouais, et alors? Je t'en veux pas parce que, en vrai, au fond, t'as raison, c'était le secret. Ah bon? 1, 2, 3. Et t'as mis quoi? À cheval? Non, j'ai mis à Disney. Bah, c'est un peu la même chose, non? Ouais, plus je t'en ai parlé. T'as fait rire, moi, de faire. On était à Disney, je pensais que t'allais retenir. Non. On demande pas mariage à Disneyland. Ben oui, parce que j'ai ma petite âme d'enfant. J'aime. Tu me vois devant le château comme ça, comme ouais, un gay. Habillé en prince, ouais, ouais. Oh, mais j'ai jamais de la vie. Eh. Moi, je t'avais fait au McDo, frère. Non, je rigole. C'est mignon quand même à Disney, comme ça. Oui, c'est mignon. Ouais. On peut le faire. Hein. La
J'avais jamais pensé à faire un truc comme ça. Tant que tu me le demandes tout court. Bah, la vie de ma mère, que j'avais rien à mettre et j'ai mis une bague, une belle demande. Parce qu'en fait, à chaque fois, elle me dit ça. Elle me dit, ouais, en fait, tant que tu me demandes en mariage, moi, ça me suffit. Je sens que je vais avoir mes fesses au-dessus de leur canapé. Par contre, vous, c'est très bien. Mais hé, hey, on est contre eux, hein, Zabi. Ça me raconte, elle. C'est la compète. Le fuego. Bah oui, fuego intense, c'est la calor. C'est ma position préférée, quoi. Du coup. Moi, j'ai mis violent, mais je sais pas pourquoi, mais... Je m'en fais. Pourquoi t'as mis ça? Mais moi, je voulais pas être affiché comme ça sur YouTube, la vie de ma mère. Je me suis dit, pourquoi je le mets, je le mets pas, je le mets, je le mets pas. Bon, bah vas-y, voilà, maintenant, vous savez qu'on aime être violent. Notre histoire, c'est un film, bien plus. Bébé, t'es obligé. Non, non, je suis pas obligé. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu l'as mis, toi, Bébé? T'as mis un truc, là? Non. Allez, putain. Je sais pas. Toi, tu l'as mis, Bay, ça y est? Ouais, mais tu vous trouveras pas. Les Castaldi, à vous. Sex train. T'as mis ça? Ouais. Ah! Je me sens trop. Mais pourquoi? Parce que tu sais que de base, on sait bien le film où ils sont sex train, puis après ils sont vraiment genre amoureux. Ouais. C'est, voilà, ça. Bah, c'est exactement ça. Ah bah c'était que pour le, ouais, pour le sexe, et au final, vas-y. Moi j'ai mis un point d'interrogation parce que franchement là je suis vraiment. Moi j'ai mis comme Cendrillon. Ah, j'aurais dû le savoir en plus. Bah oui, parce que comme par hasard, bah, t'as vu, de base on se connaissait, on s'aimait bien. Après tu voulais pas de moi, et après on s'est remis ensemble et on vit comme Cendrillon. J'ai direct. Pour se ressourcer. Facile. Un endroit où tu trouves ça beau, tout est bien, je sais pas, réfléchis. Maldives. Bah Maldives, c'est là où tu te reconnectes. Mais t'as déjà été? Non, jamais. Mais non, t'y es pas allé, sinon j'aurais mis ça, moi j'ai mis la putain de nature. Bah oui, mais j'aime trop la nature, mais après bah, les Maldives, c'est là l'endroit où j'ai envie de me ressourcer. Chez ma mère. Chez sa daronne. Mais ça, je savais. À chaque fois qu'on s'entend pas, là-bas. Ok, les amis, on a fini la partie 2. Les Ben passent devant les Castaldi, puisque nous avons 6 points et eux, 5. Il nous reste encore 2 épreuves pour savoir qui sera le meilleur des deux couples. Épreuve suivante. J'espère que vous êtes chaud parce que pour cette épreuve, vous allez devoir faire appel à votre télékinésie. Non, c'est du mentalisme. Ouais, exactement. T'es chaud en télékinésie ou pas? Ouais, je suis un peu mentaliste. J'appelle ça Simon Baker dans un autre milieu. Non, on va voir ça, ouais. Ouais. Moi, je reste en retrait, j'ai peur. T'as toujours des bonnes intuitions, toi. Tu sais, quand tu rentres à la maison, tu me dis, je suis sûr que toi, tu m'as trompé avec elle. Je suis sûr que, tu vois. Donc, je pense que ce jeu-là est fait pour nous, ma vie. On a un jeu de cartes. Vous allez avoir 30 secondes pour que votre binôme devine la carte que vous avez sans qu'il puisse la voir. Un petit exemple vite fait comme ça. Je montre la carte. As de trèfle. Et non. Un de pique. C'était un joker. Sauf que dans le regard, je dois te faire comprendre que c'est pas un as de pique, mais que c'est un joker. Et on a 30 secondes pour avoir le plus de cartes possible. 3, 2, 1, go. Top. Cœur. Pique. Oui. Pique. Oui, oh, je t'aime. Trèfle. Non. Carreau. Oui. Trèfle. Non. Trèfle. Non. Oh, t'as mis. Pique. Non. Carreau. Non. Top. Cœur. Top. Wesh, elle en a eu 3. Ah, c'est énorme. C'est l'impression dans le big deal. Ouais. Tu te rappelles du jeu? Tu dis une seule réponse. Si c'est bon, je la mets là. Si c'est mauvais, je balance. Ok. 1, 2, 3. Pique. Trèfle. Cœur. Trèfle. Carreau. Cœur. Pique. Trèfle. Carreau. Vas-y. Carreau. Trèfle. Pique. Cœur. Carreau. Carreau. Top. Les 3 dernières. 3, 2, 1, 15 secondes, c'est parti. Tout droit, 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 tout droit. Avance, avance, avance. Stop. Et bien inverse. Ça a coulé, non? Ça va? Vous avez gagné? Oui. Qu'est-ce que... Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Oh les gamins! Monte le bras, monte le bras, monte le bras, monte le bras. Le bras touché, mais touché. Non, non, encore, descends le bras. Oui, encore. Descends, stop, bouge plus. Il a touché! Ah, j'ai... Quoi? Ma vie, j'ai raté? Mais non, mais c'est perdu, tu as touché et tout, c'est perdu! Non, j'ai pas touché! Regarde ma tête, regarde ma tenue, mon 36, merde! Oh ma vie, sur la tête de ma mère, j'ai pas fait exprès! Sur la tête de ma mère, c'est que je vais nettoyer! Parce que ça, moi, je dis ton pain, je reviens! Eh, hey, il est malade, celui-là! Là, je suis trempé et en plus, je dois nettoyer! Quand je vous dis que mon mec est idiot! Idiot! Bébé, tu m'écoutes bien! 3, 2, 1. Tout droit, 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 tout droit. Accroupis-toi, accroupis-toi, avance un peu, plus bas, plus bas. 15. Alors? Il a bougé la tête un peu. J'ai fait ça. Il y a 15. Ah putain, c'est pas ça, putain. C'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, avance, 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 avance. Là-haut, 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 là-haut. Verse, tout doucement. T'as vu? C'est bon, ouais, T'es mort, tu mets la main, comme ça, comme toi. Donc on a gagné. On a pris 10 points, vous êtes rasement, vous avez pas de déménagement. Yalla, allez. Moi j'ai vu que t'avais
t'as mis la main comme ça, je sais pas. On a la barre. Non, mais attends, deux secondes. Tout à l'heure, il a avancé la tête aussi. Tu vois, tout ça, c'est de ta faute, la vie de ma mère. Mais vas-y, va te coucher, la vie de ma mère. Salam, joue avec toi. Bon, et bah rendez-vous, je sais pas quelle date, voilà. Mais sûrement vers la fin du mois, donc début octobre, pour un emménagement qui va faire mal. Il y aura des clous, la chambre elle est en haut, le lit, le dressing. Ah mais oui, attends, il y a mon studio de musique aussi. Ah oui, les platines. Oh là là, il y a mes tables. Alors par contre, si vous voulez parler même pas de meubles, lui pour porter il est bon, mais par contre pour souder c'est moi. Ah, il va porter. Bon les amis, je pense que comme vous l'avez vu, on a perdu. À cause de qui? À cause de toi. Frère, tu fais que de me toucher pendant la dernière épreuve. Désolé, notre truc est tactile en fait. Rageux. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Ce sont des petits jeux à reproduire chez vous avec des amis ou votre amoureux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes les semaines une nouvelle vidéo. Et surtout, allez vous abonner à la chaîne YouTube d'Ajixia qui s'appelle Maladiction. Juste en dessous. Éclatez le nom, ne t'inquiète pas, on a vite changé. Oh, mais t'as vu comment il est? Pourquoi j'ai dit Maladiction? Parce qu'on a tous une petite addiction et là, c'est mes addictions à moi. Bisous tout le monde! Bisous! Ce n'est que partie remise. Ciao!